Yo Ninja, j'espère que tu as la forme. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent des Ninjas. Je suis vraiment ravi de te retrouver pour cette séance. J'espère que tu tiens chaud. La séance d'hier était vraiment pas trop compliquée. Hein, c'est bon, on s'en est remis. Aujourd'hui, pour ce deuxième jour, la séance, c'est Booty Alpha. Voilà, Alpha, on commence hein, toujours par des séances Alpha. Booty, donc on va tabasser notre fessier. Bravo! Je t'ai entendu dire que c'était des fessiers. Bon, après, c'est pas trop compliqué de deviner que Booty, c'est des fessiers. Donc le protocole de la séance d'aujourd'hui, on va avoir des exercices avec 20 répétitions, 10 répétitions, 20 secondes où on doit tenir la position. On aura 5 exercices au total. Donc au premier exercice, pour bien venir réveiller nos fessiers, on va commencer par du soulevé de bassin, hip lift, en anglais, hein, ça fait toujours plus stylé de faire les trucs en américain. Donc 20 répétitions de soulevé de bassin, très simple. On s'allonge au sol, on va venir plier les genoux, les chevilles, juste devant les fesses, et on vient pousser sur nos chevilles, on vient pousser soit les pieds à plat au sol, soit sur la pointe des pieds, soit sur les talons, comme tu préfères, et on vient monter le bassin le plus haut possible en contractant les fesses. On garde les abdos serrés tout le long de l'exercice, le dos complètement à plat au sol, et on regarde le plafond. Voilà, ça va bien se passer. Deuxième exercice, dans la continuité du premier exercice, contraction isométrique, bassin haut, voilà. Donc on fait notre relevé de bassin, on vient terminer notre mouvement, on contracte nos fessiers pour maintenir la position, tout simplement. On respire, c'est comme du gainage, c'est comme la planche, comme les gainages abdominaux, comme le gainage abdominal où on est en position de planche. Là c'est pareil, sauf qu'on est sur le dos et c'est pour les fessiers, pas pour les abdos. Mais bon, on va quand même travailler un petit peu nos abdos, t'en fais pas. Ensuite, on va poursuivre avec un mouvement que tout le monde connaît, je suis sûr que tu le connais aussi, c'est des squats. Voilà, très simple, on va venir poser les pieds plat au sol, on ancre bien nos pieds dans le sol, ça c'est le plus important, avoir bien les pieds complètement enfoncés dans le sol. Tout le poids du corps doit être sur les talons, on serre bien nos abdos avant d'amortir notre descente et on vient ramener les fesses le plus bas possible en gardant le dos le plus droit possible. On pousse en expirant, une bonne impulsion, une descente contrôlée et le mouvement sera parfait. On poursuit ensuite tout naturellement avec de la chaise. Donc on va venir se coller tout simplement contre un mur. Si tu es un vrai ninja, tu te mets sans un mur. Hein, ça va venir saisir un petit peu plus tes cuisseaux. Mais c'est toujours sympa de pouvoir se reposer 20 secondes quand on n'a pas de repos entre les exercices. Et enfin, on clôturera tous nos tours avec une série de 10 répétitions de fente alternée. Donc 10 répétitions en tout, 5 à gauche, 5 à droite. Encore une fois, si tu es chaud, en fait, hein. À l'issue de quoi, on va prendre 45 secondes de pause et on va effectuer cela 4 fois. Si tu es prêt, on va attaquer. Moi, je bois un petit coup d'eau. Si tu veux te mettre une musique, tu te mets une musique. Je sais pas si je l'ai dit, mais il n'y a pas de repos entre les exercices. Donc, si tu es prêt, on va attaquer. Donc, on va commencer avec notre relevé de bassin. On descend au sol, position de squat. Comme ça, on commence à travailler un petit peu notre squat. Une main derrière, je m'assois tout doucement. On va pas se blesser, on va pas prendre de mauvaises positions. Allez, à plat sur le sol, les pieds bien ancrés dans le sol, ils ne font plus qu'un avec le sol. Et on pousse, on lève le bassin le plus haut possible, on contracte nos fessiers. On en a 20 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, 16, 17, 18, 19, 20, on reste, on ne descend pas, contraction isométrique, 20 secondes, allez, 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 crocodiles, 6 crocodiles, on gaine, on serre les fesses, 7 crocodiles, 8 crocodiles, j'ai pas de chronomètre, j'ai des crocodiles. 10 crocodiles, 11 crocodiles, allez, on serre bien les fesses. 12 crocodiles, 13 crocodiles, 14 crocodiles, allez, on serre les fesses le plus haut possible. 16 crocodiles, 17 crocodiles, encore, respire bien, souffle. 18 crocodiles, 19 crocodiles et 20 crocodiles. On relâche. On va passer à nos squats, on a 10 répétitions de squats. On descend tranquillement et on va impulser sur la montée. J'inspire, je descends, dos droit, je serre les abdos. Allez, 1,
2, 3, 4, encore, 5, 6, on garde bien les genoux ouverts, 7, 8, 9 et 10, génial. On va passer à nos 20 secondes de chaise contre le mur, comme je te disais, si tu veux ne pas utiliser le mur, tu n'utilises pas le mur, libre à toi. On évite de se poser, hein, de s'affaler comme ça. On garde bien tout le contact du dos avec le mur. Et on respire, on se détend. Et on profite de ces 20 secondes de répit qui nous appartient. Tu peux mettre les bras devant si tu veux. Ça doit bien faire 10 secondes déjà. Ah oui, des fois ça peut durer plus longtemps. C'est comme hier, la pause, elle a duré plus longtemps, non? Et bien voilà, là on fait un tout petit peu plus de chaise. C'est pas bien grave. C'est bon pour nos cuisses. Ah là, ça doit aller tendre là, généralement. Ça doit être bien tendre. Allez, on se relève tout doucement. On ne s'affaisse pas. On essaie de pousser notre squat. On termine sur nos fessiers. On va passer au front alterné, alterné. Lunge. Alors encore une fois pour faire quelqu'un, déjà pour l'accent. On respire bien. On va venir mettre le talon de la jambe gauche, du pied gauche, devant. On va venir fléchir cette jambe-là pour amener le genou au sol. On ne touche pas le sol, on voulait fuir. Paf. Et on revient en arrière. Tout simple. Un. Une répétition. Deux. On est parti. Trois. Tu peux ramener tes mains devant aussi pour avoir un meilleur équilibre. 4, 5, serre bien les abdos. 6, prends ton temps si tu as besoin. 7, regarde les éducatifs sur les fentes. 8, et sinon, bah, 9, tu as déjà fini. Et 10, 45 secondes de pause. Hop. Le chrono. On est parti, 35 secondes de pause. Bon, jusque là ça va, pas de soucis, de problèmes particuliers. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, tu le notes dans l'espace commentaire en dessous ou tu écris un post sur le groupe Objectif Ninja sur Facebook. On s'en occupera le plus rapidement possible. Alors, première respiration. Ouais, partage-moi ton ressenti, ça m'intéresse. Encore une fois, j'ai pu te dire hier, si je fais ça, j'ai envie de savoir ce que ressentent les gens qui suivent cela. 42. Allez, on est parti en position soulevée de bassin. 20 répétitions. Allez, on y va d'une traite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, 20 secondes d'isométrie. Donc voilà, la contraction isométrique, c'est on gagne, on ne bouge plus. Allez, 19, 18, 17, 16. 15, des fois elles sont longues, mais bon, je sais bien, je sais. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? 14, 13, 12, 10, allez, on garde les fesses bien haut. On peut rigoler, mais il faut travailler surtout. 9, 8, 7, 6, 5, allez, on gagne. 3, 2, 1, 0, allez, tout de suite. On passe en squat, tranquillement, c'est pas une séance où il faut aller super vite. On inspire, on descend et on monte. 1, 2, on garde les genoux ouverts. 3, dos droit. 4, talons enfoncés dans le sol. 5, 6, on respire. 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on a 20 secondes de chaise. Mon petit chrono, comme ça, je ne vais pas vous bouger. Allez, en position chaise. C'est bon, t'es prêt? Allez, c'est pas trop grand. On évite de toucher nos cuisses. On essaie de pas d'avoir un poids lourd de 90 degrés partout. Le dos bien collé au mur. On a déjà fait 11 secondes. C'est bien déjà 11 secondes.
Ah oui, bien vu, bien vu. J'ai oublié de noter le tour. Allez, les 10 fentes. Je me suis poussé comme une quiche. Allez, les 10 fentes, pas même là. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. Encore. 6. 7. Encore. 8. 9. Et 10. Génial. On a fait la moitié. 45 secondes de repos. Hop. On va le mettre où? Là ou là? As-tu vu, Shipper? On va le mettre là, c'est bien. On va le mettre comme ça pour changer un peu. Deux tours. Respire bien. Comme je disais hier, c'est un manque d'oxygène. T'as du mal à respirer. Tu mets tes mains au-dessus de ta tête. Ça fera du bien. Cinq secondes encore. On va le prendre. Allez. En position. Soulevez le bassin. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Plus haut possible. 6, 7, encore. 8, encore. 9, encore. 10, 11, 12. On continue. 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 et 20. On tient 20 secondes. Je te mets le chrono, je suis gentil. Je suis vraiment cool comme gars, franchement. Je vais pas des fois. Allez, le plus haut possible. On serre les fesses, on serre les fesses. On respire bien. On lève, on lève, on lève, on lève. Pas de fesses en, pas de fesses en bas. Allez, on passe au squat. 10 squats. Bien. Inspire sur ta descente, expire sur ta montée. Allez. 1, on ouvre les genoux. 2, on serre nos abdos. 3, les pieds enfoncés dans le sol. 4, 5, le dos droit. Allez. 6, allez. 7, allez. 8, encore. 9 et 10. La chaise. Hop. Contre le mur. Allez, 20 secondes. Je vois même pas le chrono là en fait. Ah si, c'est bon. Ah, mon chapeau, il est. Respire bien. Allez, on passe aux fentes. C'est parti. 1, allez. 2, allez, encore. 3, 4, pousse bien sur le talon. 5, 6, on serre bien les abdos. 7, 8, 9 et 10. Troisième tour validé. Elle est rapide cette séance aussi. Hop. Allez. 45 secondes de repos. Un petit coup. Bien. Comment ça va toi niveau alimentation en ce moment? Si jamais t'as besoin, c'est des questions. Si il te faut des conseils ou quoi que ce soit, objectif numéro 1. Ok? Allez. Encore 10 petites secondes. On attaque notre dernier tour et tu peux aller prendre ton petit déj, aller au boulot, faire ce que tu veux. Je sais pas ce que tu as à faire. Allez, on est parti. Soulevez le bassin. Relevez le bassin, pardon. 1, 2, 3, le plus haut possible. 4, encore. 5, encore. 6, allez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, encore. 13, encore. 15, 16, 17, 18, 19, 20. On tient en haut. Allez. Respire bien, c'est parti pour 20 secondes.
Allez, au plus haut possible. On serre bien les fesses, on contracte bien nos fessiers. T'imagines que t'as une balle de tennis que t'as envie de presser, tu vois. Si jamais t'as du mal. Respire bien surtout. Contracte bien les fessiers. Allez, on passe au squat. Allez, 10 squats. Inspire, je descends, j'ouvre bien les genoux. 1, 2, ça donne les abdos, garde le dos droit. 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, tout de suite la chaise contre le mur en position. C'est bon, t'es installé. T'es sûr que t'es bien. T'es sûr que t'es. Allez, c'est parti, 20 secondes de travail. Je te taquine. J'avoue. Respire bien. Les cuisseaux ils doivent être tendus un peu. Hein. Cherche à venir contracter tes fessiers. Allez, on pousse. Hop. Et c'est parti pour 10 fentes. J'ai les jambes qui flageolent. Oh, c'est abusé. 10 fentes. Allez. 1. Tout de suite. 2. Encore. 3. Allez, c'est bientôt la fin. 4. Encore. 5. Toujours. 6. 7. Allez. 8. 9. Encore. Et 10. C'est bien. Tu veux le lap-time ? Bah non, c'est une caméra. Alors, c'était quoi l'outil alpha? Bien vu. Bon, j'espère que j'ai accéléré ce moment parce que franchement, je crois que c'est pas un peu long. Une séance qui chauffe bien. À peu près 10 minutes. Un peu plus de 10 minutes. Voilà, j'espère que cette séance t'a plu. Encore une fois, je t'invite à laisser tes impressions dans la section commentaires qui se trouve juste en dessous, elle est prévue pour ça. Dans les notes, tu pourras noter le temps que tu as fait, si tu veux la refaire, et te mesurer à toi-même et améliorer ton temps, ton score. Voilà, cette séance, tu peux la répéter une fois, deux fois, trois fois par jour, comme toutes les séances du calendrier d'avant. C'est l'objectif, tu auras le plus de résultats avec trois séances par jour, c'est garanti, encore une fois. Si tu as des questions au niveau de l'alimentation, le groupe Objectif Ninja est fait pour ça. Si tu veux nous envoyer tes positions afin que je vois ça, tu nous envoies ça aussi. Ça fait du bien quand même. Hein. C'est tout pour moi ici. Si tu repasses dans la journée, évidemment, si on fait la séance, hein, je ne bouge pas. Dans tous les cas, je te retrouve demain pour la nouvelle séance du calendrier de la Ninja, le troisième jour. Ciao, ciao.